le dossard jaune de championne olympique pour Clarisse, qui maîtrise la situation, regardez. Et qui concasse avec sa main gauche là son adversaire, qui rentre pas trop vite, c'est très bien fait. Elle le met exactement au bon moment, elle passe beaucoup, très très bien sous ses hanches, sous le centre de gravité, suffisamment bas pour que Zakova ne soit pas en capacité de la contrer. Donc il y a eu de la vitesse, il y a eu de l'affaissement, de l'abaissement, et là elle est... Le sur le bras tête qui est bien fait, Osei Komi. Oh là là, décolle. Retournement d'école pour aller chercher les 10 secondes nécessaires pour aller chercher une médaille de bronze. Clarisse Akpeyenu en pleine forme. Regardez qui est en train tout simplement de réaliser quelque chose d'incroyable après son titre de championne du monde. La voici en bronze ici au Master. Elle est incontournable, elle est planétaire. Clarisse Akpeyenu qui est en train de réaliser son pari 2024 et qui montre qu'elle est en pleine forme. Anne-Sophie, elle a récupéré toutes ses capacités après la mise au monde de sa petite Athéna. La voici sur son chemin, le titre olympique de Paris 2024.